On apprend que piquer et toucher au mollet, mais il veut tout de même jouer contre Bilbao. Même Samuel Umtiti et Ryan Fiani ne font pas partie du groupe. Le Barça a officialisé un emprunt de 584 millions d'euros sur 10 ans auprès de la banque américaine Goldman Sachs. Le départ d'Umtiti se précise et courtisé par l'AS Rome et l'Olympique Lyonnais qui veut se séparer de Marcelo. Il est sous contrat jusqu'en 2023, alors que Aubameyang, qui est quitté par le Barça, veut rester avec Arsenal. Le Barça était prêt à inclure Coutinho dans l'opération. Aubameyang est sous contrat jusqu'en 2023. Le Barça est proche d'engager le plus jeune buteur de la Super League turque, Emir Demir, après avoir engagé le milieu offensif autrichien Youssouf Demir. Emre Demir et le club d'Emre Demir, Sport et le Barça sont proches d'un accord. Le club turc demande 5 millions d'euros, mais est prêt à négocier. Le Barça n'a proposé que 2 millions d'euros, mais est prêt à monter à 3,5 millions avec des bonus. C'est le plus jeune joueur, le plus jeune buteur de l'histoire de la Première Ligue, de la Super League. Il est sous contrat jusqu'en 2025. Il devra rester en Turquie sous la forme d'un prêt pour intégrer le Barça dans un an, soit dans l'équipe A ou dans l'équipe B, une fois qu'il a atteint l'âge de 18 ans. En Espagne, on le présente comme un milieu espagnol qui a le même profil d'un joueur élégant. Quant au Barça, il travaille aussi sur la prolongation du milieu espagnol de 18 ans qui a été le meilleur joueur de l'Euro. Pedri, qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec une option d'achat. Avec une option de 2 saisons supplémentaires, le Barça voudra lui offrir un nouveau contrat de 4 ans qui pourra être signé en septembre. Quant à Ronald Koeman, il encourage Griezmann, il a déclaré: j'adore travailler avec lui, il a l'esprit d'équipe, il aide sans ballon. C'est une personne joyeuse, c'est un joueur qui doit faire un pas en avant et être plus efficace dans son jeu. Il sera probablement plus important, oui. Il pourrait occuper la position de Messi, ce qui lui donne beaucoup plus de liberté, et ça pourrait être un avantage pour lui. Et quant à Griezmann, il a évoqué sa motivation et a déclaré: je suis fier et heureux d'avoir atteint ce chiffre des 100 matchs avec le Barça. J'espère pouvoir jouer encore 100 matchs et continuer à tout donner pour entrer dans l'histoire
du Barça, je veux continuer à aider l'équipe sur et en dehors du terrain, en attaque et en défense et profiter du Barça. Qu'en pensez-vous, moi, pour moi, Koeman a raison. Mais s'il faisait trop d'ombre à Grimace, le Barça s'est trompé en le recrutant. On croyait qu'il allait s'adapter, mais non. Il est meilleur dans une équipe de contre-attaque, mais je doute, même avec le départ de Messi, qu'il s'adapte au Barça. Car il n'a pas de caractère et le Barça n'a pas un type de contre-attaque entre à l'ancien entraîneur du Barça et Ernesto Valverde, qui a entraîné le Barça de 2017 à 2020. Il a déclaré, je ne peux pas. Pas. Il a préféré balayer les rumeurs et il a déclaré, je ne peux pas parler de ces choses, elles font partie du mystère, c'est bien que ce soit comme ça, il vaut mieux que les gens ne sachent pas. La vérité, rappelons qu'il avait remporté le championnat d'Espagne en 2018-2019 et la Coupe du Roi en 2018 avant de prendre la porte en janvier 2020 quand le Barça avait effectué un mauvais début de saison en Liga. Je vais me remettre en match.